Renard et Tibère le chat. C'était en mai, au renouveau, lorsque le temps est beau et serein, au moment de l'ascension. Renard était chez lui sans provisions, sans rien à manger. Il bâille de faim. Il a tout le corps douloureux. Il sort de Maupertuis et il court à l'aventure. Il se jette dans un enclos où la rage le pousse. Et il y rencontre Tibère, le chat. Tibère, beau doux ami, où allez-vous? Dites-le-moi. Sire, par ma foi, je suis parti pour me rendre chez un vilain qui habite près de cette haie, là-bas, devant nous. Le vilain a une femme qu'il aime tant, qu'il ne lui refuse absolument rien. Celle-ci a logé un plein pot de lait dans une huche, et c'est de ce côté que je me dirige rapidement, à travers bois, pour savoir si je pourrais y arriver. Si tu veux venir avec moi, je t'emmènerai. Mais alors, soyons de loyaux compagnons. Il y a des poules et des chats. Ouais, je te promets volontiers d'être loyal compagnon. Dieu, comment pourrons-nous entrer? Ces pieux sont si serrés que nous ne pourrons pas y passer le pied. Soyez sans crainte.